L'étoile nord-africaine, qui est créée en 1926, et Paris. Je suis venu à la maison, je suis venu à l'étoile nord-africaine, il y a des chiens, c'est un de خدمنا الإطوال الأفريكان من 1926 إلى قيناش عمر نسيق لنا السكرتير جنرال إلى قدن سراريت في اللون الأفريكان نجمع القبائل يتساعد سن ولا ناس نقوم أخير مسالي مجيد نغيد الفقه السن في إنتا كان السنتا ما ننتبه دورا ساكن القبائل ساكن زوكي مدن نثني نفهم الكل شات كريم دل ماذا بدا يكون كل ويا واش ماذا صبر ونوت تاكتيون ليت والو الافريكان الى قاشطه في الافريك دي نور خاطر الافريك دي نور وثلاثه صارت تمازيغ الافريك دي نور ما تفهم كل جيوغرافيكمون L'Afrique du Nord, à droite du Maroc, à chemin de la Libye, Tamazir, c'est la tête et le cœur de l'Afrique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord, c'est la tête et le cœur de l'Afrique, yani, géographiquement. Mais c'est ça, à droite, il y a à droite, Maintenant, l'étoile de l'Afrique, elle va vous dire, تخدم شي طوح مي وتخدم على طاس واش مين جمعني الجزائر يا لا لاسوسياسيون دي زوليما لاسوسياسيون دي زوليما هي خلقت او كونغري او 1930 مارس 1930 دي الجزائر ونجمع اون كونغري او 1936 اشيمي او 1936 خاطر الى قاد روحنا لفرنسا الوغ انوي قال لا ديليغاسيون هاكيني لان ثلاثه لي زوليما بن باديس طيب العقبي وكبشير ابراهيم ثلاثه يرسل الى ما يولد الطبيب بن جلول نتا يكون لا ديليغاسيون الى فرحتها باش يرسل Madame Irohana Razdina, c'était le Front Populaire, 1936. Et je suis soudre. Soudre, à nos bas des Romiens. Mais le statut personnel a des crimes en Algérie, délégué. Au Farhad Abbas, voilà de Rohana Tranza, en 1936, il a géré d'Akhane sur l'entente. Attention, vous les tirerez. Ils sont des Français. Si la nation algérienne existait, je serais nationaliste. J'ai visité les cimetières, mais je n'ai pas trouvé la nation algérienne. Voilà, il fait des noms. Mais on a dit des noms. On a un meeting à Belcourt, le stade de Belcourt. Je me rends le rachir, Youssef Msali. Mais en 36, c'est l'étoile nord-africaine. Youssef Erdina, il sera le 25 cheval. L'Algérie n'est pas la France, l'Algérie doit être indépendante. Et Mirnir, mais il dit l'Algérie sera algérienne. Après, l'Algérie sera arabe. Vous savez, il y aura le PPA. Donc, Mfarak Ndina est. L'étoile nord-africaine est remise. Ils l'ont dissoute en 1936. Et le PPA a été créé le 11 mars 1937 à Paris.
اما ليتوال ريبليكان اما الشيلي خاطر لو غوفرنور جينيرال ريكو بلالا سيركي دون لوبوزيسيون سيركي تيكسيت ا باري ايدي خلقا ازاك وازكا مادو ارتابور تاف مازيف دخل بين هذا ياسر باش تيتحي شكرا لكم دينيغ الطرحة تاع عباس Je crois qu'il faut nuancer ce qu'il avait dit en 1936. Pourquoi ? Farhad Abbas, il faut le considérer, il est de France. Il y aura la côté de la France, il y aura l'endroit de la France, et il a fini contre la France. Voilà ce qu'il faut retenir de Farhad Abbas. Dans la France, à côté de la France, en dehors de la France et contre la France. Voilà, يعني pour clore ce chapitre. Maintenant, de Nouvel, Mseli, le PPA a été dissous en 1939. Nous, Mseli Pouit Franza, prébite en Afrique en résidence surveillée au Congo, Winnington, le PPA clandestin, c'est la ville de Paris, avec Omar Ouzdik. Omar Ouzdik, qui a joué depuis 1941, le premier qui est rentré dans les maquis et qui a défendu la Mazérie. C'est le premier. C'est Omar Ouzdik de Michier, une famille maraboutique, mais qui s'est détachée de la famille et qui a joué un rôle important. Mais il a toujours la mine de Paris. Vous savez, il y a ce avec la mine de Paris. واللي سعنا قارو ماذا ديوان السيسي مع قارو إلا قارا ديكي ألو وغان دينا لا كلون دي سينيتي ان 45 45 فترانا لا دوزيام كير مونديال اكشمد من سالي ان 46 زريد ان اكتوبر 46 يرومين خدمين لامنيستي اكاد اللي حكم الفلاس قبل قمنا سيد الامنيستي باش نسيركن لي طور دونك ليت لي زيليكسيون بور لي ديبيتي فاليري باريس بور لاسومبلي ناسيونال اون نوفمبر 46 الوغ ميديو سامي سالي اعداد فرنسا اي فرنسا الوقت صدر بينا يصدر عزال باشا سكرتير جينيرال دو لا ليغ عرب اي شيكي بارسلون ننس إلى قشر كمين لزيليكسيون أجي باش تروح مع فرنسا ألور شركة ان 46 لبيبي انتردي شركة نزل مي لا كيستيون أمي كان ان بارتي ناسيوناليست كي بني بري لبيي بار لزار إكي بالي سيجي دون البارلمون فرنسي كي تي كولونياليست Voilà, t'as dit le chat de l'Ukbeil après, attendez, t'as dit ça besoin. Il y a eu cinq députés du PPA MTN, 47. Tous ces 47, ils étaient rabattés dans les élections locales, chaque. Mais, Tini Lakastov Azzadram, c'est les élections à l'Assemblée algérienne en 1948. Parce qu'il fallait un parlement algérien, remet un parlement où il y a 120 députés, 60 pour les Européens, moins d'un million, 60 pour 9 millions d'Algériens. Déjà, le PPA, MTLD. Je me souviens, le MTLD, le PPA clandestin, Le MTLD, c'est le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Chacun. Mais vous me laissez chacun, le rebelle au Frachnella. Ils ont demandé en 1946 à mes amis un congrès. Au Nijman, en 1947, le 15 et le 16 février 1946, à Belkou. Et Belkour a gagné, venait de faire le MTLD, mais chaque chacun des élections. Mais il y a l'organisation spéciale.
Et quand nous savons, puisque vous voulez la libération par la lutte armée, on va créer l'ordre qui va préparer l'organisation. Donc, 47, donc, vous voyez le chemin du comité central. Le chemin de Benay, ou Alim, ou de Hamoud Ammar, ou de Tahmed. Et Tahmed, en 48, il avait 22 ans. Et Ahmed est élu en 1926. Donc en 1948, il monte au bureau politique du parti et il a l'organisation de l'OS. Bon. Mais c'est lié. Fin 48, il a des rois à l'ONU pour présenter le problème algérien. Et le bureau politique du PPA-MTLD il remet une brochure de 52 pages. Mais il y a une phrase, l'Algérie est un pays arabe et musulman depuis le 7e siècle, depuis qu'ils ont conquis l'Algérie. Bon, il faut se retrouver, les Amaziens ont retrouvé l'Ère des Nains. Je sais que je vais vous dire, déjà, je vais vous dire, d'abord, il a touché les lycéens. Quand on me dit, vous êtes tous des docteurs et tout ça. Mais pendant la période des Romains et même des Phéniciens, il faut chercher le passé de l'Algérie. Mais quand il parle des lycées, même avant le latin, on se met à traduire des documents de Rome. Rome, il disait au Zoom, il se montre l'hyper blanc. Et les pères blancs, l'un des gens de haute qualité comme professeur. Il se mansalit, il a eu un père blanc, il était agrégé d'histoire du latin. Alors, il a traduit 146 pages de l'histoire de Massenissa, Yugurta, Juba de Takfarinas, toute la période de Rome, il se prête. Alors, il questionnait les lycéens, mais j'adore, on ne s'arrête pas au 7e siècle. On existait avant. Vous savez, dans la période antérieure, au 7e siècle, c'était interdit dans le parti. Alors, voilà, souvent, c'est les confédérations des tribus qui vont créer la dynastie Massi. La dynastie Massilagite, trois rois, trois importants, Massinissa, il s'adresse au Lewis, au Renouk le roi, Yugurta, il faut se dire, et puis Juba II, c'est la direction Massi. Alors, les lycéens, c'est qu'ils les vacances, trois ans, les deux derniers, ou à Dornimte. Monsieur, le 7e siècle de Nuloul, Nuloul est un Si la France, si la Gaule s'est appelée la France, la Numidie est devenue l'Algérie. Et Massinissa et Mouhir Santana, ou Djel de Tambouine, se souvent de l'arabe de Koulchon, mais c'est au Tocham de l'arabe, je suis souvent son tambour, il est presque en lui. À droite, Touran Adzé. 48. Il a une réunion du comité central élargi d'Ilzéir. À Chimé, les élections de 48, on appelle ça les élections à la Nigérienne. Parce que Guimoli, le secrétaire général de la SFIU, section française de l'Internationale ouvrière, c'était le Parti socialiste. Il a déclaré, il est sur lequel
on n'a pas truqué les élections, mais Sali, c'est-à-dire le PPA, il va avoir 85% des sièges. Il en a 15. Et Marston, depuis 62, l'indépendance, a mis des sangs, Bouteflika, le peuple n'a eu droit qu'à 15%. 85%, c'est décidé d'avance par le trucage des élections. Adrogan, après, le comité central élargi du PPA, les élections, ça ne donne rien. Michel Kiel, parlement français en 46, les élections locales 47, les élections à l'Assemblée algérienne, alors que même Thoura, le RCD et le FFS, il n'y a que 18 députés, il y en a 19. Et Mérdier, le PPA-TLT, Kanatsa, l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien de Farhat Abesmania, voilà. Pour les opposer, l'histoire coloniale s'est continuée pendant l'indépendance. En 1949, la Kabylie, Bené Wali va devenir responsable de la Kabylie en 1945, toute la Kabylie. Chouken, la grande Kabylie de la petite Kabylie. Toujours un cabinet où le Khaled Doukul a d'affaires parce que l'Ouadi Kazoukba, on se retrouve à la Wibon. Mais en décembre, comité élargi, ce fois de ne s'y faut qu'on passe à l'action directe. Alors ils ont donné au bureau politique 3 mois, janvier 49, février, mars. Et après le mois de mars, on va passer à l'action. Et Ahmed, responsable de l'organisation spéciale, Nenès, il faut la préparer pour que le mois de mars 45, on va passer à l'action. Le mois de mars 45, le bureau politique du PPA se réunit. Et Ahmed a présenté son rapport, il fallait le voter. Alors, Emir Nia, Messali était prépondérant. Il y aura le dieu de l'Algérie et du parti. Personne ne dirige un bout de clérador. Alors, mes amis, Benbella ou la bout de clérador, c'est la même longueur d'onde. Ils ont voté contre. Il faut un délai supplémentaire. Et Dina et Divda, la crise des berbères, qui est une crise anti-berbère, elle a commencé au mois de mars. À Chuxar, au mois de mars, la Fédération de France du PPA, MTLD, Fenjna, l'année Yisus, l'année 30, ils ont voté non pas pour l'Algérie arabe, mais pour l'Algérie algérienne. Voilà, la Fédération de France, mois de mars. Mois d'avril, et Hamoud Amar Hamsed. Le mois de juin, Omar Boudaoud, celui qui va devenir chef de la Fédération de France, Tfot. Omar Ouzdik, juillet, Tfot. Oubouzar Saïd, Tfot. Et Wali Benay, Tfot en septembre. Mais Sahar, Hachimi Wali Benay, il va dire au Havraza, parce que la direction du parti a mobilisé contre la Fédération de France, il y en a des gens avec pour frapper. Il y a eu même des coups de feu. Mais laissez-vous dire, pour lutter contre eux. Et Rouhan Wahabar, il recueille le bateau, Rouhan de Tfot. C'est-à-dire, le bureau politique, il y avait un quelqu'un du bureau politique qui travaillait pour les services français, à l'intérieur du bureau. 39, 49, ça qui est 39 ans, nous connaissons les mêmes Zayyid, nous n'y a pas, 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 l'Azim al-Sheikh Mohamed al-Hussein. Nous n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas. D'abord, on a bloqué les cotisations. Ensuite, on a bloqué la Kabylie.
qui nous dirigeait des Hals, et puis ça où nous sommes des bureaux politiques qui les représentent. Et là, nous sommes de la Mara, qui à la section de Michelet, mais qui est passée, Rohana Zran, Messali, au Klahboul Hosi. Mais vous en avez dit, non, où nous finissons à Messali, où fait une nouvelle direction. Il a été Hamid avec Kate Mdri, Youssef Ben Bella. Il a essayé de me dire, je t'ai remplacé au bureau politique et à l'OS. Alors, c'est le chemin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Jalen et Ahmed, il avait participé au mouvement culturel berbère. Bon, de l'Ouala, je dis non. C'est que Dina frappe avec les Kabyles et le parti, à partir de 50, le Rachir, les dirigeants juifs de Nimensen, et voilà, c'est Ahmed. Et Ahmed, nous avons salué le bureau politique. Nous avons dit qu'il est d'abord militant, c'est Benel, avec ceux qui étaient à Benaklou, quand il est lycéen. Nous avons dit que le comité central, c'est Benel, il était responsable de la cabine. Nous avons salué le bureau politique, c'est Benel, responsable de toute la cabine. Mais ça, il a dit que c'est pourquoi Messali, au cours du bureau politique, je me donne des émeraudes. Khatar, Benay d'Amrabot, Ouslik d'Amrabot, et Ahmed d'Amrabot. Je suis Kharan, Mahsouk Kharan, et Arab, émeraudes, et Arab. Khatar, Kharan, je suis Arab, et je suis Arab, et je suis Arab, et je suis Arab, c'est pour ça que c'est une question de la responsabilité. À travers le Coran, le Khmer, nous n'y arrivons. De nos familles, mais c'est une responsabilité. Donc, la crise 49, il faut immédiatement. Voilà. Vraiment, je n'ai pas un Mekhimouth ici, Benay Ouadim, au Kdamar, à Tahmouth. 1956, mois de janvier. Amar Sheikh, il a un chicken de Michelin. Il a été maquillé en 1947. Il s'est dit que le dernier, il a été maquillé avec Kli. Il a été le fondeur qui est parti le dernier, on était contre le parti. Les Romains, ils ont dit que c'était le Yogan. تمرت القبائل فكنت كريم وكذو عمره. alors après les élections de 49 au mois de juillet, la dépêche et les contagés n'indique un PPK qui est créé en Kabylie, Parti populaire Kabylie. Et Kérim, qui était responsable après Benay de la Kabylie, en juillet 49, il a parti chez Rachel et on a dit qu'il a parlé du PPK, il se met sur Hatali. Il lui a tiré une balle. L'écho d'Alger, il se voit devenir le PPK. Alors, les étudiants, les lycéens, ou un d'après, des étudiants, Chegal Yewin, Ali Yahya Saïd, pour voir. Farhat Ali, il y a comme une déclaration, il n'y a pas de PPK. Il y a une Algérie différente, c'est vrai, mais c'est le progrès de l'Algérie qu'il faut faire une unité entre le pluralisme linguistique et culturel. Voilà les deux choses. Les Mérnais, ce n'était pas la politique linguistique et culturelle. Farhat Ali, finalement, il a signé. Après, Njran Roubel et l'Ardana Thirat, ses deux frères, les deux frères Khouaz. En 48, petit 49, après les élections à l'Assemblée algérienne, Aït Ahmed Ouri Hadarara, parce qu'il était membre du bureau politique. Achou, Njran, Khoumessaleth Lahouad, passé à la lutte armée, tout de suite. Et deuxièmement, le problème de la mosaïque. Il
faut poser maintenant le problème de la majorité, ne pas attendre l'indépendance du pays. Voilà. Amiki Nijman Dina, Amiki Tfar. Il faut dire la vérité. Tchamouz le Koubaïl, il s'agit de ça. Mais il a été fait le bureau politique. Avec Tchamouz le Koubaïl, il faut dire le bureau politique. Il partit, il s'exprime le bureau politique avec Messali et la Houl Hossin, qui sont des anti-berbères. Et plus, après, Voilà. Ça fait le livre. J'ai mis beaucoup de temps pour réfléchir. Mais je n'ai pas trouvé de synonyme pour ne pas attaquer les personnes, mais attaquer seulement leur politique. Et Ahmed, il n'a rien fait. Et le bureau politique, Khatr Jalin, بنائي خطري كرد جالسا ما وليتي كذا واسمي فلان وليتي كذا شقالت على فرنسا اون فا فوار ابري افيك لا ديليغاسيون اكستيريور دو كاع هاد اللغه التاكيني هاد اللغه الفرا الموت نسينا كينيا اون جونفي 56 عمر الشيخ شقاي ديولي الا كان انا دي روحي يول اكيزار الا قاد اسمار الشيخ دي يروح انا ويدي روح يسمى الناس حمدو زايد دقيرا اللي دازت كاع اللي يبنى غير 49 ولا نسيب باغ البارتي إلا يول بوزدان خلص عشيش طهر لقيني إلا تي كوميرسون أسيدي موسى أكوتي دارجي تفلس يول الحسن حبيبيس يروح هذا يول الشيخ لاكول ضروبير خاطر يصغر غرصب إن يس بدا بيك هذا تعاون الله باش يصوفوا هواكي زيغ لانستيتيتور لي فرونسي إلا كير دارجيلي 39 45 إلي تي دون لي سيرفيس زريد رومي سو كي سون بلي دي باك ما دخل من السيرفيس ميليتير إلي دوفيان دي زوفيسي دو ريزيرف إلي تي ليوتنون مي ميز دي سوفا حبيبيس إن يس لي رومي الناس تاع الواكي طفت Ça fait une idée sur le Chili, tu vas créer un contre-maquis pour lutter contre le FLN et l'AN. Roh, Hadou Zaïd, là des Roh, et Roh, il est à Zadga, il a eu un temps de se voir à Roh, parce qu'il a des canons. Et il s'envoie, il est ce Matpoula, voir à Roh, c'est Roh dans l'Arbatire. Il a rencontré Mohamed Issaïd et il a rencontré Krypt. L'histoire de l'oiseau bleu, on dit d'accord. N'est-ce pas? Allez, alors on est qui a fait ça? Il a fait l'armée. Il a fait ça à Azazga. Il a fait les armes et il a fait ça. Nous venons, le contre-maquis soi-disant, il a fait ça. Il a fait ça. Les fous, les demi-fous, les jeunes, ils sont les baisses des Moudjahidines, ils sont les Et puis, c'est la bataille entre la LN, le FLN et puis cela. C'est à faire les photos. Mais, le mois de janvier, sous le natasse, il y a un natasse du Trohan dans les Bakiyagir. Alors, il y a un commandant Rodier. Qui était le chef du cabinet du chef d'état-major français. Et maintenant, c'était des généraux, dont le général Massu. Alors, il a dit à Hamdou Zaïd, le chemin de Rahouré, c'est pour lui donner des conseils. Mais quand il y a un guerre, il y a un guerre, à la toilette, il jette deux revolvers. Nasser Hamdou Zaïd, que c'est qui la chose, il n'a qu'à Kako. Médioral, il y a Bon, on va aller rapidement. Au mois d'avril, il s'envole à Sulhet, à Sulhetiné, il est roi à la zone. Est-ce qu'il y a eu ça, mardi? Et je lui dis oui, il n'a qu'à ce jour-là,
Et je m'en fous là. Il lève, je m'en fous les gains, c'est entre les bénéini et les oisifs. Il lève sur l'empereur. Il n'est pas ce jeune homme. Il se garde, il voulait dire, Amar ou Hamouda, ou que l'on parle qu'il est même là, Athénina. L'ordre a été donné à Athénina. Alors, je n'ai pas الصلاه السلسله الصلاه الاربعه لي ولد حمود اس عندي كوميرس او واد فوطه واد فوطه هذه لي سي اون با دو مليانا اورليون بي او نو فرق مس سي ساو مس نشد على الصحراء خطر لي ساعه ثلاثه هو لاويس اي تام تونسيس لي جو بور كاتريا مون فو ناس قبل هذه روح على المكان يعطيك وخا انسى ولا دار وخا سكيتي C'est le jeune homme, mais je n'ai pas dit qu'il mais lui dit Nahidou Zaïd, on ne lui a pas dit la vérité. Khatr Zalam, il est guerre de libération, on dit à chacun selon son grade ce qu'il doit savoir et ce qu'il doit dire. Dès qu'il y a tout le problème chez les Sudois, c'est que nous sommes les Hadjaki, les Hadjaki nous sommes les Hadjaki. Nslam, Khatri Lahmin, Yahya Hamin, il était avec les lycéens à Benaklou. Donc, on a dit ça, c'est où l'est. Minsa, il a fait Tizina Chaïchia, Tizina Tachia, c'est Minerdi. Et Ulik Melener, je m'en voulais, Khatri a eu une attaque entre l'ANN et puis l'armée française. Alors, Ulik Melener, on a fait. Vite, je m'en dis là. ماشي العمر الشيخ الوفان يبويثنا لثوابان ثوابان لقيم سي لا ريجيون مونطانيوز برسك دي جرجرة الوك حضر ندينا من غان عمر حمودة وكذا مباركة مدينة يحضر كريم يحضر عمر عمران يحضر محمد سعيد ويحضر عمر الشيخ الور عمر الشيخ كونجي كريلوني بلاويس ارتان ندكومو خطر عمر حمودة Il était dans l'os, mais dans l'Oranie. En 48, on s'est fait l'os dans toute la cabine. Donc, Amar al-Sheikh, il enlève. Mais monsieur Amar al-Sheikh qui a décidé. C'est crime. Et les militaires sont obligés d'obéir. Ils n'ont pas compris ça. Voilà. Alors, on a rendu Amar al-Sheikh, mais à ce qu'il nous a dit, il y a un homme qui a été baraké. Tout le monde a été al-Wali ibn Ali. Wali ibn Yagini, 1954, la guerre de libération, comme il était responsable de toute la Kabylie, ceux qui ont travaillé le Khmeli Gded Misali, il est Iborjumnaye, le responsable, le général de Yamena. Il est ici Wali. Il a quand même été chiné, quand le chef est là, il a été chiné, il a été chiné, il a été chiné, il a été chiné. Et il a écrit, il a dit qu'il a été chiné, il dit qu'on est le MNA, il a été chiné, 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 il a pris la place de Wali ibn Ali. Bon. Athroh, le 20 août 56, le congrès de la Souma. Le congrès de la Souma, il a retenu le congrès. Il faut éliminer les berbéristes et les missalistes. Or, les berbéristes de 48, ils étaient tous dans les maquis. Rohanouk. فان اسم زوالو فان خطر نرنيا اذي وزولا يدينا انسوف غير من اذي مرتاقينا نعملو شوني با انديبوندون مي لي ميساليست ils ont pris les armes contre l'Algérie et contre le FLN alors comment les mettre sur le même pied d'igle mis dokulent bon mais mis dokulent le congrès de la Souman a créé le CC le comité de coordination et d'exécution Et Hamza Yitzhak. Mais, Aben Ramadan, il va appeler Ben Qadda et Dahlem. Ben Qadda et Dahlem, c'est décentralisé. Ben Qadda, il y a des pouvoirs, on s'allie.
comme en 49-50, que nous avons dit, il a fait le deuxième congrès, mais ce n'est un adhère à l'Emaki pour libérer l'Algérie, Ibn Ikslahou al-Hussein, Yoram Bilqadda. Ibn Bilqadda, il va avoir la direction collégiale en septembre 1953. Alors le deuxième congrès s'est tenu le 4, le 5 et le 6 avril, en 1953. Ikslahou al-Hussein, secrétaire général 20 ans, Yere Bilqadda. Ibn Bilqadda, en septembre, Iksith Nsali, Hachimitikis, Bilqadda a demandé la direction collégiale. Mseli voulait diriger tout seul. Mseli il va en France, il va en Belgique, à Orny. Et le 6, le 7 et le 8 juillet, c'est contre. Il a dissous le comité central et il s'est déclaré président à vie. Président, Charles après. Au mois d'août, le comité central, ou les centralistes, ils ont destitué Misali. Avec l'OLN, des jeunes militants, ça n'allait pas bien. Ils ont créé le CRUA. Le CRUA en mars 56. Et le CRUA, il a réuni les 22 à Alger, le 22, et comme les 6 qui se sont réunis à Notre-Dame d'Afrique. Et le 1er novembre, c'est que la révolution. Adlo Bakura au congrès de la Somme. Mais Douanen, Achimir, Abel, il a retenu Bilqadda et Dahle. Khatar et Kharayisen au lycée de Blida. Aran, et aussi Abel, il a été désigné par le congrès de la Somme comme architecte de la révolution. Il s'est laissé, alors que c'est décentralisé. Alors, les 5 Guinéens du CCE, ils ont créé l'ALN, ils ont créé les chefs de région, ils leur ont donné le grade colonel. Mais ils ont retenu deux choses qui sont valables même aujourd'hui. La première des choses, c'est la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. La deuxième, c'est la primauté du politique sur le militaire. Voilà les deux choses, les deux trônes. Mais, à droite, là, la délégation extérieure. Bilbilla, Khidr, Aït Ahmed, Boudir. Ok, il y avait... Mustapha Al-Sharaf. Le Sharaf, mais lui n'était pas du CCE, c'était l'intellectuel qui écrivait pour eux. Voilà l'entrée. Bon, alors, le congrès de la Somam, c'est le 20 août 1956. La délégation extérieure a été arrêtée le 22 octobre 1956. 22 octobre. Rohan du Maroc, avec le roi du Maroc, a Rohan al-Thounes pour faire la réunion. Le 22 octobre. Alors, il a fait un Moubarouk Bil Hussein qui a écrit les lettres envoyées par Abel à Bilbilla et recevrées comment. Khatar Bilbilla, c'est nous le chef. Nous sommes le Caire, mais c'est eux les chefs. Quand ils font les lire les lettres qui peuvent le faire. Et vous êtes tous de ce niveau-là, où il a expliqué la délégation extérieure, tu vois, la Misali. Nous sommes les plus anciens adhérents, donc c'est nous qui font la révolution. Alors, nous venons, ils sont au Caire et ils marchent avec Nasser, qui va jouer un rôle très important. Il arrive au pouvoir en 1952, et puis il va faire du panarabisme. C'est là que va venir après l'enquête. Donc, quand Rouhan, oui, dernièrement, est venu l'avion le 22 octobre. Il devait se réunir à Tunis. Lequel je viens avec Bourguiba, Mohamed V, et puis eux, c'est Bilbilla qui va parler. Mais Bilbilla, il va parler, lui, et Abel ne peut pas l'accepter.
Moi, je suis élu par un congrès. Un congrès, il y a eu plusieurs wilayas. Écoutez, vous êtes une délégation extérieure, mais vous n'êtes pas la direction de la révolution. Alors, je suis ça, le chanson. Abel, Ishigao Abraham à Tunis. Pourquoi? Pour liquider Ahmed Mahsad. Ahmed Mahsad, c'était un ami de Ben Bella. Il devait lui préparer un congrès à Tunis avec la Wilaya 1, c'est-à-dire faire un deuxième congrès de la Souma. Ils ne reconnaissent pas le congrès de la Souma, un autre congrès. Alors, je vous pose une question et une réflexion. Lequel vous êtes venu à Romil, ils aient la délégation extérieure. Abrohan, à Tunis. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai été là. Même à Oulid, il n'a jamais aidé quelqu'un, au contraire, il a profité de quelqu'un. Je vous dirai un mot après. Ce qui s'est passé en 62, mais l'armée des frontières, pour attaquer l'Algérie, elle se frouvina. Mais Oujid Nana, et puis Abel Ramdan, il était intransigeant, il n'acceptait pas que quelqu'un puisse parler de la délégation extérieure. Tifredina, mais c'est en 62, la délégation extérieure, ils ont envahi l'Algérie et ils ont occupé l'Algérie à la place des colons. Donc voilà ce qui s'est passé en 60, dans Adoual. Mais Adoual, la Souma, ils ont réuni les organisations nationales. Donc l'UJTA, elle a été créée le 24 février 1956. Mais elle a été créée pourquoi? Le MNA avait créé une association syndicale. Donc pour le FLN, il fallait créer l'UJTA. Elle a été créée le 24 février. Et Aïssat Idir et les quatre autres du secrétariat ont été arrêtés le 24 mai 1956. Les Kémy Saouli, le 2 juin 1956. Saouli d'Abel Ramdan, tu vas prendre la suite, tu prends la place d'Aïssat Idir. Mais de Walani la Souma, je m'adapte. Voilà, on a décidé la grève de 8 jours, du 28 janvier. Au 4 février 1957, les Kénics brassent un tabarat. On ne peut pas faire une grève de 8 jours pour seulement dire que le FLN, à l'ONU, le FLN est le représentant authentique et exclusif du peuple algérien. Voilà, il fallait faire 8 jours. Mais, le 7 janvier 1957, le préfet d'Alger a donné ses pouvoirs au général Massu. Et c'est là qu'ils ont décidé la bataille d'Alger, que vous connaissez tous, après la grève des 8 jours du 28 janvier au 4 février 1957. J'ai fait des réserves en tant que représentant de l'UJTA, mais ça ne fait que 2 jours. À Alger, il y avait 4 syndicats très importants, les dockers, les cheminots, les traminots et le GA. Les correspondants de la presse internationale, ils disaient qu'il est. On va bloquer les avions, les autobus, les bateaux, on va les bloquer 2 jours. Et puis on va bloquer l'électricité. Quand l'UGA, on avait un syndicat de l'UGTA, ça suffit. Zahid Dina Abel, il est très brutal dans son comportement. Il n'est que, on ne te demande pas de donner un avis, on te demande d'obéir. Et si tu ne veux pas obéir, tu n'as qu'à sortir. Voilà, d'accord. Mais là, Dina, je vais vous dire ce que j'ai appris de Krim. Krim Ogdarben,
دينارين فراقل عشرين فراقل حضر الكونغري دو لا سوما يا داري سموت القبائل كريم دبي 47 il était dans les maquis il était chef de la région il était le colonel de toute la région Ogmen Ben Mehdi comme président et c'est à Balondan qui a fait ça تكريم تحكو نكون يوم كريم مثل أدرخ ميون وعرابة يحكو شوف المساء دونك كريم إلى مال تجيري إنا باك سيبتي سا أمك كينا دبي 47 زودي ليش لكابيلي النجمع ذاقيني لا يدوي ولدي وهران باش يحكو ذاقيني دونك عبال Il considérait Krim comme, sur le plan intellectuel et culturel, comme un petit qui n'était pas au niveau des autres. Bon. J'avais jeudi et dimanche. Donc, à ce remise, début janvier, Et puis, à une heure, mille fois que le pavot, on faisait les 100 pas, et la place d'Alger, Square Brosson, on écrira le Square Brosson. Cheikh Ibrahim, il était responsable d'Alger politique. Il m'a signalé au CCE, à l'Ihya Abdelon, je l'ai vu déjeuner et se promener avec Wali Benet. بالقدي سوريت بكير أمينوي إشكايد ناسا شوي شغاط أمينوي إنك فضلتك الشرب بالله ناسا سنفيزي شبه رسponsab دولا كابيلي وكنت سنغالا إنك ويلي كونداني أمور بلو كونغري دولا سوما ناسا كم إلي كونداني أمور أشك حدر وكونداني أمور Si tu dis que René Lguez n'est que du CNSG pour faire la révolution, on l'a condamné à mort, même sur toi, on va faire une enquête. Mais d'après, il a pas sur d'Abel. Ah, c'est toi avec le Kobayl Ken, sur d'Abel. Et c'est toi qui es responsable, tu es membre du système. Bon, le facile. C'est grâce à Iwali Bené, pour dire au Harad d'Orthonia. يروح الدور في النظام لكن يوم الدنيا أبقى السينير تي كونتان يا عمرو وصرفها لمن كانت حضرة بقيت هذا حضرة في لسون سونتي با دو لا غور نسي دينان انك شفت هذا الدنيا انك وقت لما صدحتنا فوق هذا انك ولا الا قمتي تحكم ثاني وعمرا كافي كونتاني حضر ولد حمودة أمور ذينا إشكاز ديول قرنس ربح كوعزيز كي با دوفينير أون فرونس لو شيف دو سو كي بو ديكلونشي لا لوت أرمي أون فرونس إلي تي ليوتنون يرو إشكاز دي دو أمرا ني ني سي يوالي بني يفو رستي ني أرجي ني أجمان سيريج إلا خاطر حضر فرنسا خاطر أون فرونس لا فيدراسيون دو فرونس يا خمسين سنة سيدي كامل دوك ما يوكل كذا بنان اللي يكسنا بون إنك جو سوي أو كورون دو إنك تروح وعلا جو ريست إيتي جو ني ريان في كونتر جي تو في بور فير ويكي يروح على لي باكي دوك ني ندير بان ما بغا نفهم الحاجة النظام إبان لي سوا جوجرا بون فوالا دالي بغالي بن نايف إلا إيتي إكزيكوتي le 13 février 1957, à Jemaan Seb. Et Wintinran, c'est Mohamed Issaïd. C'est Mohamed Issaïd, d'Akobayli, Wintinran, l'ordre avait été donné par le CESU. Le Kenya, Mougrad, Abdel Arundan, pendant la crise née, Abdel Arundan, le Kenya, il a, le Kenya, il a, le Kenya, il a, Et la dame qui était sa secrétaire, elle habitait au rez-de-chaussée. Mais qui n'y habitait au quatrième. Trois à 7 heures du soir, ce n'est qu'à trois à son bord, quand il est libre, il voit qu'il est là. Où il tenait la loi.
Mais son baron fait un dans le roi, au perdu. Mais c'était déjà le 4 ou le 5 janvier, Massu, le 7 janvier, il a été désigné pour la bataille d'Alger. Donc il commençait à ramasser les troupes autour d'Alger, où l'on disait, où l'on disait, où l'on disait, où l'on 8 jours, c'est grave. Voilà, avec il faut que je préfère m'arrêter là pour aborder la période d'après l'indépendance. On dirait qu'on a rapidement pour que je veux que vous me posiez des questions. La situation actuelle, à Bouteflika, vous savez que Mouth Boumedine, Boumedine et Mouth le 27 décembre 1978. Bon, il revenait de Moscou, Zahir Bitat, l'hôpital, il est les os, je ne sais pas la maladie que ça, les os étaient dissous, ce n'est pas à voir. Bien. Bon, il mourut, c'est une signe de Bouteflika. Pour lui succéder, le parti unique émirien, c'est le FLN, avec Mohamed Chrif Yahyaoui, qui était des Aurès. Et que de Merbah. Merbah, qui était de la sécurité militaire dès 62. Il était au Maroc. Et Vina, comme c'était une famille qui avait beaucoup de biens, ils ont rendu beaucoup de services à Boussouf. Celui qui est le premier va s'attaquer à la Kabylie, donc on compte chef de la sécurité militaire. Nitsa Melbach, à mon avis, il a voulu éliminer les deux pour placer Chedli Ben Jeudi. Mais Chedli Ben Jeudi, il y a Hachakoum, il s'est laissé. Lui, je crois qu'il a mis exprès. Bechnitsa, après, il va rester une courte durée, et puis les militaires vont le dégager. Bechnitsa. Mais comme il n'était pas ministre, il voulait d'abord voir comment fonctionnait le ministère. Khatar Emilia. Moi, je vous dis, de quelqu'un qui me l'a dit, Khatar Emilia. Il n'a que le Kouveil, il a dit le Kouveil. Il faut que vous sachiez que depuis 62, le système politique algérien est formé par les militaires et dirigé par les militaires. Tous les présidents de la République et Ben Bella jusqu'à Bouteflika ont été désignés par les décideurs de l'armée qui sont des généraux. On lèche le vote et bien on lèche. Vous votez ou vous votez pas, c'est la même chose. Alors, il faut de la sécurité militaire. Il a raturé parce qu'elle a joué un rôle très important. Vous pouvez porter votre réflexion. Les officiers, après 62, l'Algérie et le gouvernement était isolé par le monde. On travaillait qu'avec l'Union soviétique. On se considérait comme les socialistes. Les dirigeants algériens en 62, avec Ben Bella et Boumedine. D'abord, ils n'ont pas fait de différence entre la nation, le peuple et la société. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait de socialisme, ils ont fait un capitalisme d'État. C'est l'État qui est dirigé. Pour l'autogestion, vous êtes bien placé pour savoir que c'est
la montée la plus importante des socialistes, du socialisme, c'est, ce n'est pas le pouvoir qui dirige, c'est ceux qui ont créé l'autogestion qui se autogestionnent eux-mêmes. C'est le monde qui le donne. Et puis, ils n'ont pas, et on a libéré le territoire, mais on n'a pas libéré le peuple. Parce que le peuple, c'est la souveraineté populaire au peuple. La souveraineté populaire, c'est quoi? C'est l'élection par le peuple et des élections libres de tous ses représentants dans les institutions élues de l'État, de la commune jusqu'à la présidence de la République. Or, le peuple, il n'a pas eu sa souveraineté. C'est l'armée qui désigne les présidents de la République. Et on n'a pas eu la citoyenneté, ni de la femme, ni de l'homme en Algérie. Nous sommes encore, sur le plan des droits de l'homme, nous sommes des sujets, mais maintenant. Parce qu'un citoyen participe à la vie de sa commune, à la vie nationale, et il demande des comptes. Voilà où se situe, où se situe la situation. Donc, ça a échoué. Chedri Ben Jdid, on pensait qu'il allait rester quelques mois, il est resté 13 ans. Deuxièmement, après Chedri Ben Jdid, vous savez, il y a eu... Vous ne voulez pas vous déplacer comme ça pour vous. Merci. Alors, après, qu'est-ce qu'il fait le commandement militaire? Après Chedli, il va désigner quelqu'un des Aurès. Comment il s'appelle le président Zerouel. Zerouel va arriver. Et Zerouel, d'abord, il va être ministre de la Défense. Il va remplacer, comment il s'appelle le général Nzar. Il va remplacer Nzar. Et puis, il va être président de l'État en janvier. En janvier 1994. Puis arrive novembre 1994. Les dirigeants du FIS, ils les ont emmenés à Alger le 6 septembre. Et il y a eu Santé Gidio. Il faudrait que je vous parle un peu parce qu'on parle beaucoup de Santé Gidio. Ils m'ont appelé. Quand ils sont arrivés à Alger, ils m'appellent, à midi, je prends, on m'a dit, c'est Abbès Badani. Et vous savez, quand les gens m'insultaient beaucoup au téléphone, j'ai raccroché. Je dis, Abbès Badani, il est en prison, comment il peut me téléphoner? Il rappelle. Il m'a dit, il faut que tu descendes tout de suite, nous sommes, vous savez, une villa, on descend vers le 1er mai. Ils étaient dans une villa là. Je vais, je descends, c'est un commandant de gendarmerie qui me ment. Et il me dit, Erhamwadikoum, il faut trouver une solution. Ah, j'ai dit, c'est vous qui nous avez mis dans le papier, puis maintenant, vous demandez une solution. Bon. Mais vous avez décidé, voilà, il y a une réunion au mois de novembre, la première réunion de Santé Gidio, c'était en novembre. Abbès Badani a refusé. Il ne participe pas, c'est une institution catholique. Et nous, tout ce qui est catholique, on le reconnaît. Ali Blahadj, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a trop de morts. C'était la décennie 90, le coup d'État en 92, le 11 janvier 1992, c'était terrible en Algérie. Il a cru. Il a conçu la présence. Non. Donc on s'est réunis à Santé Gidio au mois de novembre. Ils ont invité tous les partis politiques. Hacham Elou Bhala de Rohana de Rohana, Rohan Nahna, Rohan Bokoro, Rohana non. Mais nous avons dit, Nahna Hakul Bokoro, ils étaient contre. Mais on n'a rien décidé. Il faut en tenir Bokoro du PRA. Vous savez que l'aide absolument au pouvoir, Bokoro, on lui avait donné à l'université, on lui a donné non seulement un appartement, mais on lui a donné un siège social, qui était un lycée.
كان يسخط لي مارشي افيك لو بوبا يروح دوري انك vous allez être mon avocat. Je peux pas, je refuse. Il faut que je vous dise, le principe des droits de l'homme, c'est de défendre toute personne qui est privée de sa liberté. La Révolution française de 1789 d'août avait déjà tracé les pieds, mais la Révolution française, elle a créé deux choses. Elle a créé les charrettes pour exécuter, pour couper les coups, et elle a créé les droits de l'homme de l'autre côté. Mais la première ligue française, la première ligue du monde, c'est la ligue française. Elle a été créée en 1898. Et elle a retenu les principes des droits de l'homme. Bon, on fait sauter Gidiot. Après, pourquoi je vous parle de Boucron? Quand il est venu me voir, donc je l'ai défendu, et vous savez, à l'époque, la justice algérienne, l'ordre est donné d'en haut. Donc comme l'ordre est donné d'en haut, il y a eu refus au niveau du tribunal, de la cour, mais nous sommes allés à la cour suprême. Mais droit, au mois de novembre, je suis allé voir le président de la cour suprême. Il n'y a pas jugé. Il n'y a pas de dossier, le dossier, but la présidente. Parce que c'est une copie, il est plus long que le dossier. Alors, Rete Hadar Bokro, il n'a pas voulu marcher avec nous à la première réunion. Fkenes, 15 millions, 150 millions de dinars pour fonctionner, mais ni monsieur à Amthola. Le dinar avait un peu son importance. Voilà comment Bokro, il a marché. La deuxième réunion, nous avons la semaine de janvier. Njma Dina, il y avait sept parties. Il y avait Ben Bella avec le MDA, Ed Ahmed avec le FFS, Abdallah Jabla avec Nahda, Madame Louisa Hanoun, et puis j'étais moi comme représentant des droits de l'homme. Alors, comme les partis politiques n'arrivaient pas au 1, il y avait Mehri qui représentait le FLN. C'était le secrétaire général du FLN. Minjmadina, qui c'est qui va présider? Alors, Ben Bullock, Ahmed, ils m'ont choisi. Khatam Kenny, j'avais pas de parti, je suis un militant des droits de l'homme. J'ai dit. Qui il faut désigner comme porte-parole? On se fait mener. Alors j'étais président et porte-parole. Ils étaient tous d'accord. Nazan Kamel. Bon. Lorsque, samedi, jour et nuit, samedi, dimanche, lundi, un chemin mercredi. Jabla, il arrive, mercredi. Et pendant Dardina, il a demandé la parole, il a su avoir droit à la parole. Il a gagné le troisième mot que d'ailleurs. Les gens, les journalistes, les gens, ils veulent terminer, passer le samedi et le dimanche avec leur famille. Il fallait finir vendredi à midi. Il y a les commissions, à trois, n'accédait pas. Mais il avait touché Hedem. Hedem Aguinem, il avait été élu soi-disant député. Du fils pendant le 26 décembre 1981 et puis il s'est déclaré représentant à leur collège. Khatri va jouer un rôle les passes. Mais il a voulu pas. Et puis il a voulu attaquer en Algérie Boussoubsi. Boussoubsi, vous savez, c'est un spécialiste. Psychiatre et puis ça. Il a voulu dire que c'était travailler au nom du gouvernement. Alors que moi, ben, j'avais ces dossiers, j'avais trois affaires contre le gouvernement de Boussoubsi. On l'a arrêté. Nerasen Kine, Khatar Nerasen, les dirigeants du FIS, quand on est parti pour la deuxième réunion, Nende, voilà. Ils ne représentent rien. Parce que c'était une famille de Tlemcen. Mais
qui connaissaient la langue arabe, parce que leur grand-père était un imam, ils ont appris la langue arabe. Mais ils n'étaient pas militants du fils, on l'a choisi parce que seulement il était instruit en arabe. Mais Ned Messi veut parler, il n'est pas un représentant. Donc, Jabla, il arrive mercredi. Mais dans la nuit, il rencontre Hadem. Et Hadem, il est venu me voir à minuit. Comme j'étais le porte-parole et le président, les gendarmes dormaient avant ma chambre. Ils me gardaient. Donc ils ont trouvé les gendarmes à minuit. Il n'est que, voilà, demain je vais dire, on va reculer la date parce que j'ai des choses à dire. Naras, moi j'ai vu Abbas Madani Belhaj, ils te disent, tu ne représentes pas, et tu te dis. Madame Elou Hassan Sunnachmis, il y avait Jabla, il n'a aidé comme président, il faut donner la parole à Adel. Adel, il dit, je n'ai rien à dire, parce que je lui ai dit que tu ne représentais pas le fils. Voilà, mais lors de la réunion le vendredi, ce que je peux vous dire, qu'est-ce que c'est que Santé-Gidio? Santé-Gidio, on ne pouvait pas se réunir en Algérie. On ne pouvait pas. On s'est réunis à l'extérieur. On s'est réunis pourquoi? Parce que la décennie 90, on a dit qu'il y a eu 200 000 morts, mais l'avenir dira combien il y a eu de morts. Personne ne peut le dire actuellement. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup que cela. Bon, on voulait, comme maintenant, ce qui vient d'être fait maintenant, on voulait une transition. Que le gouvernement change et désigne un gouvernement d'union nationale. Dans les 6 mois, on va faire des élections libres pour la première fois. Et c'est le peuple qui va désigner ses représentants. Voilà, c'est tout. Alors, Mitterrand Bordel Zahir, il fallait voir la campagne qui a été menée. Je passe, si après vous posez des questions, je vous réponds. Mais il faut que je vous dise, avant de revenir là-bas, à Bouteflika, Bouteflika après, il va faire, puisque dans la lignée de Santé-Gidio, il va faire une charte pour la réconciliation nationale. Et cela, il va la faire le 3 janvier 1900, c'est arrivé en 99-2003. Mais qu'est-ce que c'est que cette charte nationale? On demande aux gens qui sont dans les maquis de rentrer chez eux, c'est tout. Et il y a, vous savez, ce qui a été fait par l'Afrique du Sud, est-ce qu'une amnistie, c'est le pardon qui triomphe? Ou bien c'est le pardon après la justice. Or, sur le droit international, le pardon ne peut obtenir qu'après la vérité et la justice. Et c'est le problème qui s'est posé, c'est pourquoi il y a un problème des disparus actuellement. On ne sait pas encore, les familles disent, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont morts, il ne faut pas vous dire comment ça se passe. Mais il y a un problème des disparus qui est très important et l'Afrique du Sud nous a indiqué une des voies qu'il faut suivre pour trouver une solution. Et le problème des disparus, il est actuellement devant la Commission des droits de l'ONU de l'ONU. Je reviens un peu à Abdelaziz Belkhadem. Abdelaziz Belkhadem, quand il n'a pas été retenu en février 79, comme candidat pour la présidence de la République, il est parti à l'étranger. Donc, Bouteflika est allé à Genève, il est allé à Dina. C'est au Nest en 1999. Nous, il est allé à l'Ascar. L'Ascar, il est allé. Mais de bonheur de n'a, l'un se baisse. Mais tu vois, c'est qu'il y a là, il y a un chahra, 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 il y a un chahra,
Mi vden dina, deja vden shqartis kare në lëvot, sejt një lëvot, zhë vden i mënsën. Lene Hosin e Tahmet dhe i dhësën, des ancien kandidat, zhë vden i mënsën, i qim wahdës. Donk, i qim wahdës. Bon. I qim, xamsi së gësën i mëzora. Më shemi, altin urba. Në të më idiusa, يحوال ثلاثة حوايج كان أميكا لا يريد الحكم أميكا لا يطف الحكم أميكا لا يقيم وتسكسن هذا هذا يقيم دوني ديس ثلاثة دي لأن النظام وليخدم الإيكونومي وليخدم السوسيال وليخدم الشمية خطر الزاير يا 15 إسوكاسينيك سعدة ثلاثة لمنطقة تصرف سميان و35 مليار دولار 635 مليار دولار مي تمرت و تفيرالا و تفيرالا مازالو و تفيرالا ما تفهم تمرت القبائل اصحسب ام لافيو اتندي القاع مي بصح يساكن يون وفريون ويسين ولاش صافي وزميل انا ديالي اشي ميكروس باش ديالي تساوم الى خاص فكني في النظام التولوي مازال تلقي مراتين التولوي من هزا واش مراتين التولوي نهضت في طرحكم الجزائر انا اللي نساوم واش ميلان انتخابات 2004 العسكر امير وينيك الجيش يحكم الجيش اسميس محمد لامار اخذت المعقد الى ريفي الجيش انيس اجاديك بغان اذو غانن الحكم وفلا الى القبل اجاد الاحزاب او ويتقلب انا نتا في الاسكان هذه هو هذه هي باش هذه تطف الحكم في الجزائر وكي كتبت نسيت فوا الناس ونو تبدا على بريدا كي العسكر راه تيكس الور بوتفليقه 2004 دوزيام موندا اكسيت 2005 يقوم قايد صالح هذه 2005 امي كان يطف بوتفليقه العسكر خاطر وين انتفر العسكر وليت وجدوا مالا كسن ثلاثة لي بريزيدون كسن بلبلة كسن شادري بن جديد نسي قالوا كيسن على بيكسن ابري لو بي دوكتور كسن وكسن من وابي لي زوراس اسميس كسن كسن اشيمي كسن يحضر واسمي تظن واسمي الفيس البريزيدون يبغى يهضر ليس العسكر سورتو لا سيكوريتي ميليتير و تبغى واش مين بغى يكمل تي بغى يكمل لان ساكن الكاس يجبد المانيس فوالا مي 98 الناس استغرب مي تقيم باش ما نخدم لو تروازيام مونتا اش راه طفل بوتفليقه اون 2008 اش يخدم يبدل الدستور دستور اللي لا خاطر الدستور اش قلنا الدستور باقي لنا وين يحكم الدولة خدم بوتفليقه الدستور الى رئيس الحكومه رئيس الدوله هذه اللي مرتين يمكن خمس سنين وكل خمس سنين 10 سنين نتاع 2009 الى قضيه التروازيام موندا هذه اللي التروازيام موندا 2009 صافي 2008
يبدل ديستو يبدل لي ثنتا وحدس نجمع لو بارلمون يسيني سن لو سينا وكل لاسومبلي وكنفكرس في اللحم مي دي ديستور نيما يخدم زروان الى رئيس الدوله رئيس الحكومه ورئيس الحكومه يسعى نتا يعني باش يخدم وحدس ماشي رئيس الدوله سيني اكسي يا ريث برومي مينيست داكري الحكم او كورس في 2009 ثلاثة الموندا بوتفليقة يطاق أكل حكم ولا بصح إلا قد تظلم بوتفليقة إلا مريض ان 2005 ان 2005 كدينير لناس لهلاكي نس ورعاية لارا زرغ الشيقة من الميدسان سيتا النيسان إيمولاجي سيتا كونسير Donc, depuis le Mexique, 2013, 2005, déjà, Raïs Doula, on a eu un malin à Il n'y a le Conseil des ministres, il a eu un malin à Depuis 2005, le Conseil des ministres, il a eu un malin ou la باش هاد النجمع يخدم وحدس يسد 2013 يا هذيك باش فهم ولا ابريل يسعد 80 بوسان يسبيطار دي فرنسا وفار دو غراس وكليزا الباريد نكون يعمل الدستور يسعى المادة 88 88 دو لا كونستيتيسيون اشو يتقى ما يليني رئيس الدولة يهلك 45 بوسان 45 ولي يخدم هذا إلا المجلس الدستور هذا الجماعة هذا سنينيا البارلمان عشان خدمة لومبيشمون بروفيسوار ما عدانا 45 اليوم البارلمان se réunit de plein droit et prononce la déchéance. On dit d'accord, il fait des discours. On trouve une arme. Quand on voit une hélène, il discours, une trimcelle, ou une hélène et la justice, une trimcelle, ou une hélène et les affaires étrangères, une trimcelle, on a dit que nous avons eu la meilleure à chemin. Tout là, nous sommes le quatrième mandat. Il y a une ولزميلة ذيك ولزميلة ذي هذا ولي هذا رارا لكنهم يقوم يمانيس هذا يخدم لقطر يمونا إذا قد تظلم وتظلم كل خير من الدنوب رئيس الدولة إلى قد يروح على الشعب إلى قد سياسة يهضر نتعب سيت une relation entre le président et le candidat et le peuple ولاش الشقاوية باش تهضر باش هذوك من ولا يهضر ولا تبقى ولا يهضر ما لا يكفي إثورا يعني هبط الحالة من كل مكان لكن إلا ما كان كازاكي ولا تنكر ولا يهضر وسنيك روحهم هذا يخدم الكاتريا موندا البارلمون ريوني ولا زميل هذيك مي وسمي ديوسا الميليت دو زافير ترونجير امريكان كيري يكرد خاطر زاد مريكان هذاك اللولوك مدن ما زاد زاد ليم ناسيونال ودي كيرالهم واسمي سكان لو موندا بور كاتريم موندا اتولي مولي زميرة شمال ثولا مدن هضر لوك مدن سيدي انا ميكان كازاكي غادي يقيم اميكان ديالو نسي يبغى غادي يقيم الى قبل ديالي باش يكسر ثولا الجيش يفرق يفرق اش يخدم بوتفليقة صالح قايد شيف دي تاماجور يقنف فيس مينيست دو لا ديفونس اي كي سي كي لو مينيست دو لا ديفونس بوتفليقة انا روي قال انا الرئيس بوتفليقة سي كي في شيف دي تاماجور ويلا قال ذي الحكومة الا قال يقيم واحد في الجيش نتا يجيب لي
vice-ministre, il est obligé d'obéir au ministre. Alors, Hassan Tawla de l'Asra, le Nagal, ou le Brinala, surtout le Gadagi l'Est, le Batana, ou le Wiganiran, le Wanatre. Ça fait fort, 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 mais, où je viens là, Khalman, un coup d'État, Bala, ou Frobina, la Miden, Hassan ou Radarna. Mais, tout là, الشعب والقمالة أذيرني أمكن أن قمت ولدك ونا الضرارة حقنا كنتم إيطوات ونبرا شهد ونفلنا وخلك ندقير بلك السلام وكبنا الشعب أكي قبل البطل لما قيني الشعب وقيني ولي خليما الواجب ينس عند النظر من ذي تونس ذي تونس خلمن عند النظر خلمن من نقني نقيمنا الطس ونخدم أشنك مثولا تبضى الوقت سنضحكو كان يهود إلا وين يسأل لابوليس اسميس هابل عبد الغني هابل نتلمسان إلا جاء إلا الجنرال إلا جندرمري يقوم يثبت في قادة لابوليس مي إلا قمتيني يثبت في قادة واسمي ديوزا وقدر بان ديزناك يزار الجيش ولدان يسس يبغى عذيك الحكم إلا بوليس يمير الزربيني يقلان يتكيس إدريمان باش نسعوا الشفار باش نزال ثلاث درامة شو سعادة 230,000 بوليس بون يتكيس إدريمان خطر أولا عدلنا هذا الجيش مثلا يتفض قاية صلاح يسعى الجيش يدس ثلاث إبان عندي فرنسا هاملا ديني شهرين ونص إبان عندي خدم الحاجة باش نزلنا هذه اللي نتسع أثيقون بوتفليقة الناس تغلى ذلك الشيء تحكم الدم ما هذي يحكم أمير هذي يحكم الفوت وليش هذي يحكم كوديتا وبرنار الخمر ما يبغانا الخمر هذا جلسة كان أدفلو ما إلا ما زال السيكوريتي ميليتير تغلى ثلال ديرز ديركسيون دي رنسينيمون اي دي سيكوريتي والقبيلنا لا خمام ما توفيق مدينة توفيق ركض الشطح مازال عمل نوثنيو الجزائر وكثير ثمورة الجزائر عمل ورقب النار خطر الجزائر ما لدي فغي وجاء إساعة قاروز لنيجا مدن إلا قاروني ساتي تصبر نغاتي زمن بوليتيك ما نغاتي زمن ساتي وثن همل وثن الجيش وكل لسيكوريتي ميليتير أمي كي توثن إلا قاموا تحقوا أمير وصلا ما ذكر دي ثودان القبائل لأن قد تصقيد ما لا ثوثت تسقوف ما لا ثالي ما لا ثالي نسوون ما لا تسي وثقال وثغلال ذينا أشي ما يخطر ساعة ثريون أتغليه ميال ميترات أو ميال ميترات نظر صافي هابل وثند ما هو غلال ثورة هذه غلال أون أفريل بروشان اللي فلو سوين اللي هنا سوين دي ما يفضل الوقت اللي قد تفلو لكن اللي نعطي الدور تاقي عدان أتفلو عشان المواد أبريل خطر رئيس الدولة المواد أبريل شفوا كي اللي يالو رنو بالمون سي المواد أبريل مواد أبريل 94 2004 2009 10 أبريل 2014 تاقي كان توجو المواد أبريل عشان يفضل الوقت خطر ثورة ما نقدر لدي الحكم وفرينا لو سوي أن ولا خير أن ولا أن ولا شو قالوا ثورة قالوا الصحابة بما القسنطينة سرتو لبربر دو قطنا قال لك بوش ويدين تلبسان توري بدل وقت دوغان غورنا
مي لو كنت في المستقى حسب المغضاء تقنطر بتاع دين كان بلا متسكات سي توجور سي توجور لا ميم شو اشي ميثو لا اتبدل فتاي بعض الوقت اتبدل مي إلا قتبدل إلا خرج القبائل اتيني تحضر لو كنت نبدا دايلي ندير الناس اسكو زمان نخدم يا كوراند صرنا يا كورا 1980 ابريل 20 ابريل برومي يا كورا خدمنا يعني بوجه بنسم يا كورا باسكو لا سي 1980 نو لو 2000 سي با يا كورا كي تبدا الولد داوي اللي بنو ماشي باش هذه الشخصه ما تقول الاحزاب ولا ما ينادي ولا حاجة ويعطيك ديني غام وينك ديني دات الزاو ويعطيك ديني دات زبا اش نبغى إلا كان مشطوحة من هاكي ما سميت قارون كوني لي زيتيديون إلا قدنا دنيا كاتر دان وي كيخدمن سي لي زيتيديون هاكي يثبدال وشي من الأحزاب تقلب لي كان هاد الثموس إلا قدنا دنيا على ديفون هنا زكا هنا اللي يحكم الحوار أمي ذا ساكي ما زالو ثقلالا خاطر قال أو قال نبدل أنا وضر دينا أسنسخطر أشو قلنا ويلاق ولي تكل يوان في الدولة خاطر بوت في قاقين ذان تتبع مكون مين واسميك خدم لا ريكونسيلياسيون ناسيونال يروح الجزائر قاي دينا وقبلها مليح يثا ينايس وقبلها تروحها حسب كنتي زمانو إلا شرت وغالب ضاغطة دينا يروح على تيزي وزو يجمع عندهم الدنيا قال كان قال يكش من الدنيا ذا قال يلحون يدس مي ميزن دينا تمازيرت وتقبل على عشان الرضي الرندون كرد من الناس تمازيرت ماشي تعرف ذا عندك وقول وين قال يلين يزن ثورا وقبل نعمي عدات لي زيليكسيون اكان دو 17 ابريل اكادير الحكومه لو اف ال لو جي تي ا ديك سي تي سان الاحزاب اللي ظل اسقار نكته مازيرت الى قاتوبا ناسيونال او قبل مي تمازيرت كي ناسيونال الى قاتوبا تلا ابري 2001 كنا قبل نهضر شي طروحه في 2001 شوف شهر يسمو القبائل مي روح وثنتن من غان فكنت قاطونا 117 لي اكل يتوجه الحق مع ذاك وقال الانديكابي هادي اتاس ماشي شطا وش نفكنا على السبيطار مدنا كل وين كان يدري من باش تروح اللي تروجي باش تزاد داويني منسل مازالت تقل ثقيله وتروح بون مي فجات شويه تاريخ شمي بغا قال لي خدم لنا لي زعروش هادي قارن لي زعروش بغا نخدم من واحد سن الا قد تبدا كلو كي بدا ثورا يسد الوقف اميك الا قد نخدم نكون الحاجة اشي ما ما كنا دوقمن ثمازير في اللونغ اوفيسيال اسر الحبس في ثمازير اللونغ ناسيونال انت تخدم انا نتا الحبس في تقيم ديننا وخدمنا شو إلا كان خدم نكوني يقول بي بغارونتي ديني إلا كان خدم نكوني أنا هنو لا كولات نكوني سيدري منا وغادي يفكاك هاد لي زارشيتاك تاع هنونا اون ايكول بريمير نا سكوندير وي اتفكر ادري ايه القبائل ساعني يدري منا ما في الجزائر انا برا يدري منا لو كنا ندو كل اشي خاطر واسما لا نبنو نكوني بزاف هي خدمت واسما لا نبنو نكوني غادي نيليا إنه كان يدي الجزائريين نعم ماشي يدي الجزائريين يدري من هاك نتيكي ديك السنة ونتيكا صافي الحكومة دانا دوالي والحكومة دا بزورو وهاد أكادي قدام يسن وتسد ولا يسن مي إلا قاس نخدم هذا هو ديني كان قد أشو قلنا ليريتاج دو فو زونسان ليريتاج نو فو زابارتي كو سي فو زابورتي فو ميم فوتر كونتريبيسيون باش ما نكون وي تعاون الوغ الا قد تعاون مثولا الا قد نهضى مي الا قد نجمع نقدر نجمع مع المستضعف خاطر نضحكو ثولا وين القبائل
مساو تميس دبرت فرت سنين وتزاريو واش رايك بعد خمس سنين الى قاد يروح على السوق مالا يروح على السوق غير يسجد الى قاس ديالو اخرو بزبر باش يدي فاضا قرو انا نفاضا قد يقرا C'est ce qu'il faut supprimer. Je suis un peu plus de temps.